Donc une fois que vous avez personnalisé l'application, on va, pour que ce soit plus sympa ici, on va mettre une image de portail ici, pour que ce soit plus joli, hein, tout simplement. Donc vous prenez ici dans le menu de gauche, ici dans l'interface utilisateur, vous prenez une image, vous cliquez glisser ici, vous la mettez ici, voilà. Ensuite, ici, elle apparaît ici, forcément, dès que vous l'avez cliqué glisser, elle apparaît ici dans le composant. On va la renommer, donc on va mettre image-portail. Voilà, ok, donc on l'a appelé image portail, voilà. Et surtout, on va ici, donc comme on est encore cliqué dessus, on va en profiter pour aller charger l'image dont on a besoin, donc c'est portail, et on va cliquer sur OK, voilà. Donc ici apparaît un portail, c'est quand même un petit peu plus sympathique. Et dans l'étape suivante, on va continuer en ajoutant des boutons ici, fermer et ouvrir. Donc vous n'oubliez pas ici de cliquer sur projet, puis enregistrer le projet, voilà. Et vous passez à l'étape suivante.